Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne G2D pour une vidéo de déballage d'un jeu un peu particulier pour une boîte un peu particulière. Alors, il s'agit du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu dans sa version 7. Alors, la boîte c'est l'édition Prestige et c'est édité par Sans Détour. Donc, Sans Détour est reconnu pour la qualité de son matériel et pour le sérieux de son travail. Alors, dans cette boîte, on trouve tout le matériel nécessaire pour jouer au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, plus plein de bonus qu'on va découvrir ensemble. Alors j'ai la version boutique, donc monsieur tout le monde peut avoir. Ce n'est pas la version Ulule. Donc dans cette boîte, par rapport à la version Ulule, il manquera deux livres, le Malleus Monstrorum, le Codex de l'Innommable, et un lot de cartes, les cartes de folie. Tout le reste par contre de la campagne se trouve dedans. Alors j'étais joueur de L'Appel de Cthulhu il y a bien des années, et je n'avais aucun exemplaire de ce jeu, ni aucun manuel. Donc en fait, j'ai sauté sur l'occasion qui regroupe tout le matos nécessaire dans une seule boîte pour la commander. On va voir ce qu'elle nous réserve. Alors pour vous donner une idée de la taille de la boîte gardée par rapport à descendre, qui est déjà une belle boîte, elle fait petite à côté, hein. Le poids, il va avec. Et la présentation, on a une boîte rigide extérieure, hein, qui est bien illustré, donc je vais faire attention en la retournant. Ici on a tout le matériel que contient cette boîte. Voilà, c'est la mise au point de bien se faire. Donc c'est la version la plus complète à ce jour. Bon, après c'est pour les amoureux de ce jeu et de beaux livres. Elle s'ouvre en trois parties, donc là on voit qu'il y a un emplacement pour les manuels manquants, hein, qu'on trouve dans le commerce bien sûr. Et tout est bien protégé dans un bloc de mousse. C'est illustré, il y a un petit résumé sur H.P. Lovecraft, qui est l'auteur de ce monde, dont est inspiré le jeu de rôle. Le premier manuel qu'on a trouvé, c'est le manuel de l'investigateur. Donc c'est le manuel nécessaire à tous les joueurs. Manuel, bah, si vous devez n'acheter qu'un, c'est celui-là. Donc on voit tout de suite que c'est un livre de très belle qualité. L'illustration première page est vernie. Tout le livre est rigide. Donc franchement, c'est un beau livre de bibliothèque. C'est ce qui justifie le prix de la boîte en fait. Et on voit que l'intérieur, c'est des feuilles glacées. On a la table des matières. L'introduction, l'abomination de Dunwich, en fait c'est une petite nouvelle pour mettre dans l'ambiance. La création des investigateurs, donc nos joueurs. Les occupations, les compétences, l'organisation des investigateurs, le quotidien, une présentation un peu du monde où évolue Cthulhu, donc c'est-à-dire les années folles, les années 20 aux États-Unis. Quelques conseils aux joueurs et les annexes qu'on peut trouver. Donc ça fait à peu près 259 pages, donc c'est déjà un beau livre. On va voir un peu les différentes illustrations qu'on peut trouver à l'intérieur. Vous voyez un peu la qualité. L'introduction. L'abomination de Dunwich, donc c'est la nouvelle. Donc ça, ça permet déjà de voir un peu l'ambiance du jeu. La création des personnages. Donc c'est sûr que ça a l'air d'être un roman, hein, un beau livre de bibliothèque, mais ça reste un manuel de jeu de rôle, donc on trouve tout le nécessaire bien sûr pour jouer. On voit les principes, les différents mécanismes de jeu, les exemples de création de personnages, qu'est-ce qu'on peut faire. Et à chaque fois, on a du beau détail. Des belles photos d'époque et des petites illustrations, hein, qu'on trouve ici. Tout le papier. Voilà. Agréable. Une gueule cassée des années 20, donc on sort de la Première Guerre mondiale. Donc on retrouve une gueule cassée. Avec les différentes photos d'époque qui mettent dans l'ambiance. Comme je viens d'ouvrir la boîte, j'ai une belle odeur de papier. J'adore ça dans les narines, c'est vachement agréable. Donc c'est autant un objet de loisir qu'un objet de collection. Regardez les photos qu'on peut avoir dessus.
On arrive au niveau des compétences. Comment fonctionne-t-il avec le système de pourcentage? Alors, j'ai pas les anciennes versions, donc je pourrais pas vous dire exactement ce qui a été rajouté. Et comme ça fait pas mal d'années que je n'ai pas joué à ce jeu, ma mémoire a des trous. Hein. Donc, faut que je relise tous les manuels une bonne fois pour me recadrer. Donc, ça, je le ferai. Puis, je pense que d'ici quelques semaines, je reviendrai dessus pour vous expliquer les différences avec la version 6. Les différences avec la version 6. Ah, c'est du beau boulot. Un chef tête sur les armes d'époque. Donc, voilà. J'y mets les différents équipements. Les années folles aux États-Unis. Puis on finit avec les petites illustrations couleurs à la fin. Ma foi, fort sympathique. Donc ça, c'est pour le premier manuel, le manuel du joueur. Je vais essayer de recadrer tout ça, qu'on puisse voir au fur et à mesure ce que je déballe. L'élément le plus important. Le deuxième manuel, c'est le manuel du gardien, donc c'est du maître de jeu. Donc ça, il est nécessaire seulement si vous voulez créer des parties. Ou si vous êtes collectionneur, toujours la même qualité, hein, bouquin rigide. Là-dedans, c'est plus du technique. Donc, qu'est-ce que le jeu, le système de jeu précisément, les compétences. Et on trouve des éléments nécessaires au maître de jeu, comme la magie et les différents monstres. En bonus, on a deux scénarios et des annexes. Donc, tout ça, c'est des éléments pour pouvoir monter sa campagne tranquillement. On a là mon propos et toujours la même présentation avec les photos d'époque, les pages en trois colonnes comme les vieux journaux. Donc, après ça, j'ai vu que sur Internet, ça avait choqué certaines personnes, mais apparemment, on s'y habitue. Surtout comme moi, on n'a pas connu la version 6, donc moi, ça ne me choque pas. C'est comme un journal, ça facilite la lecture. Après avoir si on retrouve facilement ou non les informations, ce sera l'usage que je pourrais vous le dire. On voit bien l'ambiance. Hein. Les premiers biplans. Là, c'est les explications du système de jeu, comment ça fonctionne. La fiche de personnage à remplir, explication. Avec toujours une photo d'époque. Les marque-pages et quelques règles, quelques monstres. Ça, c'est les grands anciens, on est dans Ithaca. Donc là, avec un système de dessin crayonné hein, qui est du plus bel effet. Donc on a déjà, donc, vous voyez, donc il y a un livre supplémentaire qui n'est pas fondé dans cette boîte commerciale, qui est basé sur les monstres, mais avec le guide du maître, donc le guide du manuel du gardien, on a déjà une bonne base hein, sur la mythologie, sur les monstres les plus courants. Après, dans tous les scénarios qu'on trouvera dans cette boîte, il y aura le bestiaire fourni avec. Donc le livre sur les monstres, c'est vraiment un supplément. Ce n'est pas une obligation pour pouvoir se lancer dans le jeu. Donc, on a toutes les caractéristiques, à chaque fois la force. Tous les monstres sont bien détaillés. Et à la fin, on arrive sur les scénarios. Donc on a un résumé du scénario, donc le type, avec une notation sur les différents styles de jeu qu'on peut rencontrer. À l'affiche, donc les différents monstres ou personnages. Un résumé, puis après les détails, on rentre dans le scénario.
Tu vois pas, avec les belles illustrations. Et je suppose qu'à la fin, on a les annexes nécessaires au jeu. Ici, résumé des différentes tables armement haute qu'on a besoin dans le jeu. Voilà pour le deuxième livre, le gros manuel, le manuel du gardien. On continue notre plongée dans cette boîte profonde. On a un troisième livre. Alors, dans le même style que les deux premiers. Et là, par contre, c'est un recueil d'aventures. Des aventures effroyables. Donc, c'est un recueil de scénarios qui nous est offert avec cette boîte. Donc, on voit qu'on avait déjà deux scénarios dans le manuel du gardien. Et dans celui-ci, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 scénarios différents, avec tous les documents nécessaires pour les jouer. Alors, ce que j'ai pu voir sur le net, à chaque scénario, on a des thèmes différents, voire des époques différentes. Donc, ça permet de voir plein de facettes du jeu qu'on peut rencontrer. Avec toujours la même présentation en trois colonnes, avec un résumé ici, on voit. Par exemple, l'investigation, l'action, la notation, pour savoir sur quel type de série on démarre, la difficulté, le style de jeu, le nombre de joueurs, la durée estimée, on te passe en général toujours un peu plus, et l'époque. Là, c'est tout le matériel, donc je ne vais pas trop montrer à la caméra les éléments. Donc on voit qu'on retrouve la documentation. In-game, donc pour le maître de jeu, donc il peut fournir aux joueurs lorsqu'ils tombent dessus. En sachant que, on verra après que tous ces documents-là, on va les avoir dans la boîte en version PDF. Donc on pourra forcément les récupérer pour les imprimer, sans devoir faire des photocopies, plier le livre. Donc ça, c'est une très bonne initiative. Donc là, c'est différent. Scénario, on a avec des illustrations. On peut avoir. On a les plans, les investigateurs prêt-tirés, donc c'est ça. On a toujours le choix, soit qu'on prend des investigateurs qui sont prévus pour l'aventure, on a toutes leurs caractéristiques, soit qu'on se crée en accord avec le maître de jeu, bien sûr, son propre personnage. Ça, c'est pour le petit document qu'on peut trouver. Et à la fin, par scénario, les documents qu'on peut photocopier donner aux joueurs. C'est très bien fait. Scénario, les coupons de journaux, les petits schémas. Ça, j'ai pas trop montré d'illustration, si jamais vous voulez garder la surprise. Ensuite, on trouve à ce paquet-là. J'ai fait une petite coupure parce que c'était très bien emballé, donc très bien protégé. Et j'ai pas voulu faire le gros bourrin au déballage. J'ai préféré faire une petite coupure. Et là, tu pourras comprendre qu'on a l'écran de jeu. Donc ça, c'est pas du carton fin. C'est un sacré écran. Regardez-moi ça. Au champ, ça passe, ouais. Ça prend toute la large de la table. C'est en carton épais, c'est verni. Les illustrations, tout ça. On est tout de suite dans l'ambiance. Et derrière, ben, les traditionnels tableaux, les nécessaires pour jouer. Les différents. Je vais vous montrer. Différents éventails, ce qu'on peut trouver. Le dernier. Donc ça, c'est l'écran de jeu. Je suis content, il n'est pas abîmé. Apparemment, certains l'avaient reçu abîmé. On a l'accessoire du gardien. Donc, on a le petit livret de l'écran avec les aides mémoire.
Courbe à distance. Les tableaux principaux. Donc on trouve 19 pages. Une deuxième protection de mousse. On commence à voir le fond de la boîte. Donc là, on a pas mal de documentation. Alors, comme vous pouvez voir, elle est pleine de matos. Ils se sont pas foutus des clients. Et j'ai voulu faire l'éballage avec vous. Au cas où que si certains d'entre vous seraient intéressés, hésiteraient encore. J'ai refermé la boîte pendant que je fais ça. Là, on retrouve plein de petites choses. On retrouve différents marque-pages avec des éléments de jeu, des résumés. Donc ça, par contre, je ne connais pas trop le détail. On retrouve le créateur de cet univers. Des fiches de personnages, une nouvelle fiche, donc ça c'est pareil. Je peux pas vous dire par rapport à la V6 si c'est beaucoup de choses changent ou non. Il y en a un beau petit paquet. Les cartes de différents lieux, le plan d'Arkham, avec des informations derrière. Donc en fait, ça c'est des éléments de scénario. L'abnégation, on l'a déjà vu. Donc tout ça, c'est le matériel nécessaire pour les scénars. On les a en version séparée, afin de faciliter les photocopies, voire la présentation sur la table. Ouais, c'est ça. Les maudits, sac des pites. Bref, tout ça, c'est des éléments qui sont nécessaires pour le scénario, pour les différents scénarios. Donc ça, c'est bien. On a droit à une carte d'époque du planisphère avec les différentes routes maritimes, voies ferrées ou autres de l'époque. Ça, c'est pareil, c'est plastifié. Ça, c'est hyper joli. Et c'est utile en jeu aussi. La cosmologie limite. La lecture des astres avec les différents grands anciens qu'on peut avoir. Quand on appuie là encore. Ça, je ne sais pas à quoi ça se référence. En tout cas, c'est en couleur. Ce sont des ruines. Le continent africain. À quoi ça sert, je ne sais pas. Ça doit servir dans un des scénarios.
Un deuxième planisphère, mais sans les principales routes commerciales. On a les présentations géopolitiques de l'époque, avec les colonies, forcément. Ici, c'est encore un élément de jeu, une maquette. Bon, ça vous donne une vue d'ensemble de la qualité de la chose et ce qu'on peut trouver. C'est pas juste de livrer quoi. Kingsport, on a le plan. Avec les différents noms de rue. Hein. Donc ça, Kingsport, Arkham, c'est tous les lieux qu'on retrouve dans les nouvelles, donc c'est le lieu emblématique du jeu. Innsmouth. On a pas de référence. Il y a un sacré paquet. Relevé géographique de la présence connue du mythe. Donc où le mythe est apparu. Un petit bestiaire. Illustré. Encore différents éléments. Je vois si les continents changent. On a été sur l'Afrique. Là, c'est les différents lieux d'Asie. Là, on est en Europe. En fait, toute la planisphère. Est représenté sur différents posters avec les sites archéologiques les plus connus. Donc ça, c'est tous les lieux qu'on sera amené à visiter. En Afrique du Sud. Et en Afrique. Il en reste deux posters. Arkham, ils ont gardé le meilleur pour la fin, avec les lieux emblématiques, ça va rappeler des souvenirs à certains. Et Dandwich. Ça c'était pour... belle pile de matos. Hein. Donc on enlève les fiches de personnages. On a un sacré lot de posters. On a deux blocs. Comme ceci. Et en fait, c'est la fiche des créatures et la fiche des divinités. Donc, je vais pas les ouvrir, on va les faire une par une. Je vous montre ici, on a à chaque fois une illustration sur... ce créature qu'on peut rencontrer. Là, vous voyez. Et derrière, on a ses caractéristiques en fait. Alors, je ne sais pas exactement le nombre de fiches, hein, mais le paquet est déjà assez épais. Et on a la même chose avec les divinités et les personnages. Donc, on a les divinités et les personnages les emblématiques qu'on peut rencontrer, les PNJ qu'on appelle. Donc, il y a un lot. Il nous reste deux petites choses, un petit sac de velours avec le symbole. Bon, ça c'est quiche, hein, ça. C'est pas...
C'est pas le plus important de la boîte. On arrive sur les petits accessoires avec un lot de dés. Voici. Donc personnalisé avec le symbole à 7e édition sur les faces. Donc on a les dés basiques pour fin de partie. C'est plus des objets de collection. On a une petite clé USB qui est en bois. Mais son intérêt, c'est pas trop la matière ni sa capacité, elle fait qu'un giga, hein, donc c'est sûr que c'est pas une clé qui vaut une fortune. Par contre, tous les documents que je vous ai montrés, les manuels, on les a dessus en version. On les a en version PDF. Et donc, déjà la première chose, c'est qu'on peut réimprimer tous les documents, photos qu'on a dans le livret pour les parties qu'on veut réaliser. Et si certains de vous passent par le net, donc par Roll20 ou des programmes assimilés, ils pourront récupérer les documents, les images et les intégrer dans Roll20, sans devoir passer par la case scannage. Donc déjà qui abîme les documents et qui est assez fastidieuse. Donc ça c'est très intéressant. La valeur c'est les documents qu'elle a là-dessus, c'est pas la pièce en elle-même. On a quand même le petit détail. Hein. Tout est marqué avec le symbole de la 7e édition. C'est en bois, c'est quand même assez joli. Et le dernier, un petit critérium, qui était à la base prévu en métal, mais qui s'est retrouvé en plastique suite à une erreur de commande. Mais bon, c'est du goodies, hein, c'est du petit accessoire. Je pense pas qu'on achète cette boîte pour un pauvre critérium. C'était le petit plus de la boîte. Donc voilà, on a fini de la vider. Vous voyez, on est arrivé au fond. Tout de suite, elle est plus légère. Donc, c'est Sans Détour qui a dicté cette édition Prestige. Vous voyez, pour des gens comme moi qui n'avaient rien sur ce jeu, en fait, qu'on additionne tout le matériel, ça vaut vraiment le coup. Et puis, pour ceux qui seraient fans à 200%, eh ben, ils auraient du matériel vraiment de très bonne qualité. Et des choses qui servent dans toutes les parties. Hein. Tous ces plans-là, on peut s'en servir sur X scénarios, parce que c'est des lieux connus, des lieux que les investigateurs visitent régulièrement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions, vous voulez des photos de certains éléments un peu plus précises, ben, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, puis je vous posterai ça. Je vous dis à bientôt, et puis bonne soirée. Salut!